Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Sois magnifié, Seigneur, sois exalté, sois glorifié. Bien-aimé, bienvenue à ce temps de prière de minuit. Que la grâce de Dieu t'inonde. Est-ce que depuis l'endroit où tu te trouves, tu peux élever ta voix et commencer à célébrer le Seigneur, à l'exalter, à lui rendre gloire et honneur pour son amour, pour sa fidélité, pour son sang qui parle en ta faveur, pour tous ses bienfaits, bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci, lui qui t'accorde la victoire dans toutes les batailles. Dis-lui merci, lui qui a remporté même déjà la bataille par sa mort et sa résurrection à la croix. Élève son nom, célèbre, magnifions-le. Père, nous te disons merci. Nous savons que lorsque nous sommes réunis en cette soirée, dans ces temps de prière, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous voulons te magnifier et te célébrer en cette nuit et te remettre toutes ces familles, tous ces frères et sœurs éveillés, endormis dans des maisons, afin que Seigneur, toi seul, tu te manifestes et que tu glorifies ton nom. Nous nous remettons à toi, prends contrôle. Glorifie ton Saint-Nom et règne. Bien-aimé, depuis l'endroit où tu te trouves, appelle le sang de Jésus dans ta maison, dans tout ton environnement. Appelle le sang de Jésus sur tous ceux qui sont éveillés ou même endormis. Bien-aimé, lève ta voix. J'appelle les mérites du sang de Jésus dans cette maison. J'appelle les mérites du sang de Jésus sur tous ceux qui sont dans cette maison, éveillés, endormis, au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom et règne. Seigneur, manifeste ta grâce et ta puissance. Seigneur, tu es Dieu. Merci de prendre contrôle de cette soirée lorsque moi-même je me couvre du sang de Jésus. Lorsque je me remets à toi, afin que seul ton nom soit élevé. Père, que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Puisse ton précieux sang qui a coulé à la croix purifier les vies, purifier les familles de toute souillure, de tout péché, de toute réclamation. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous disons amen. Que la grâce de Dieu t'inonde, mon frère, ma sœur. Que sa fidélité soit à jamais à l'œuvre dans ta vie. Amen, amen, amen. Donc nous allons continuer en prière ce soir. Et nous prions pour le changement et la restauration des destins. En cette année de la restauration, nous allons prier pour le changement et la restauration de destin. Amen. Là, nous allons prier pour le changement et la restauration des destins. Amen, amen. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Amen. Nous continuerons. Donc, je voudrais te dire en quelques mots, mon frère, ma soeur, que pour accomplir ton destin, il y a deux choses qu'il te faut faire. Tu dois prier de sorte que le pouvoir qui avait autrefois longtemps manipulé ta vie, manipulé tes parents, qui avait longtemps dépouillé les uns les autres, que ce pouvoir-là lâche ta vie et restaure. Tu dois toi-même chercher la restauration de ton destin, bien-aimé, par des points de prière violents. Le destin peut être uniquement restauré et accompli s'il est traité avec sérieux. Le combat pour l'accomplissement du destin, bien-aimé, est celui qu'il te faut mener et gagner. Bien que tu sois déjà dans la victoire, tu dois au jour d'aujourd'hui mener cette bataille. Le grand problème aujourd'hui est l'incapacité d'accomplir le destin de la part de plusieurs. Beaucoup vivent dans la vallée par suite de la déviation de leur destin, par la combinaison des forces de la sorcellerie et les ennemis domestiques. Donc ce problème doit être résolu par un changement de destin. Les destins volés doivent être restaurés et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les destins qui ont été volés, quelle que soit la manière, que ce soit tes erreurs, que ce soit des voleurs qui t'ont forcé, qui t'ont dépouillé, ça doit être restauré. Donc je te recommande, bien-aimé, ces temps-ci,
ces points de prière, ce programme bien-aimé que tu te donnes à fond. Et sache que c'est une obligation pour toute personne qui a une idée du type de dommage que la sorcellerie domestique, la sorcellerie familiale lui a causé d'être violent. Quand tu es conscient de comment au jour d'aujourd'hui ta vie aurait été, devrait être, bien aimé, tu dois être violent. Dans le psaume 113, versets 5 à 8, psaume 113, versets 5 à 8, il est écrit: qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux, sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dans Deutéronome 28, verset 13, il est écrit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et tu les mettras en pratique. Alléluia. Et Jésus, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, a obéi à ta place et à ma place. Il a obéi à toute cette loi-là pour que nous soyons bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes et même dans les lieux terrestres. Job 22, versets 25 à 28. Dis avec moi, et le Tout-Puissant sera mon or, mon argent, ma richesse. Alors je ferai du Tout-Puissant mes délices, et j'élèverai vers Dieu ma face. Je le prierai, il m'exaucera, et j'accomplirai mes vœux. À mes résolutions répondra le succès. Sur mes sentiers brillera la lumière. Amen. Le psaume 27, verset 6. Proclame avec moi. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Amen. Reprends avec moi ces proclamations. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il a dit. Dieu a parlé une fois, déclare avec moi. Dieu a parlé une fois, deux fois, et j'entends ceci, c'est que la puissance appartient à l'Éternel. Par conséquent, je crois toute parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et si elle est Dieu, elle ne peut mentir. Toute promesse de Dieu pour ma vie s'accomplira sûrement. Déclare avec moi, en faisant cette confession cette nuit, je déclare au diable que je ne suis pas ignorant de ce que je suis en Christ. Je suis né de nouveau. Et j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, je suis assis avec lui, là-haut, au-dessus du monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Je suis sainte. J'appartiens à Dieu. Je suis une reine, une prêtresse royale appelée au service de Dieu. Jésus m'a racheté avec son sang précieux, avec son sang irrépréhensible. Il m'a fait passer du royaume des ténèbres pour son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Cette nuit, déclare, je me tiens sur la victoire de Jésus sur Satan et sur la mort et l'enfer. Car il est écrit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Il a arraché au diable tout son pouvoir. Il est monté en haut pour rendre la captivité captive
et il fit des dons aux hommes. Par sa victoire, que tout rassemblement des pouvoirs qui sont contre ma vie, contre mon succès, contre mes percées, soit mis en défaite par le sang de Jésus. Par la victoire de Jésus, que tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres qui sont contre ma vie de prière, qui sont contre mon succès, contre mes percées, soit mis en défaite par le sang de Jésus. Le jour où j'ai complètement donné ma vie à Jésus, j'ai soumis ma vie à l'Éternel des armées. Par conséquent, déclare, Satan, j'ai l'autorité pour te résister et résister à tes attaques contre ma vie. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis descendant d'Abraham et les bénédictions d'Abraham sont à moi. Les Écritures disent que je suis béni. Je suis héritier de toute bénédiction céleste de Dieu. Il est écrit que Dieu a béni tous ses enfants avec les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il m'a donné sa grâce et sa gloire. Et aucun bien ne manquera à ceux qui marchent dans la droiture. La parole de Dieu me rappelle que si je demande, je recevrai. Alors je me tiens sur le sang de Jésus. Je demande et par la foi je reçois la grâce, la gloire et les cieux ouverts de Dieu au nom de Jésus. Je demande l'abondance divine dans tous les domaines en cette année 2024 et je la reçois par la foi. Je la confesse, je la reçois par la foi. Amen. Je déclare, je brille. Je brille comme une lumière éclatante. La lumière de Dieu est en moi. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer en moi. Les ténèbres ne peuvent pas couvrir ma destinée. Partout où je vais, je tiendrai toujours la tête haute. Même quand les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les nations, l'Éternel se lèvera pour moi et sa gloire sera vue sur moi. Je serai vu. Je vais rayonner. Mon cœur va vibrer de joie par l'abondance et l'immensité de la richesse que Dieu m'accorde. Je déclare, les fils de ceux qui m'ont affligé viendront se prosterner devant moi. Tous ceux qui m'ont méprisé viendront se prosterner à mes pieds. Ils m'appelleront la ville de l'Éternel. Sion, le Saint d'Israël. Et je sais par Jésus-Christ que bien que j'ai été abandonné, bien que j'ai été haï, Dieu fera de moi une gloire éternelle, une joie d'âge en âge. Je déclare, en cette année 2024 et toute ma marche sur terre, je mangerai les trésors des nations. Je mangerai les trésors des païens. Je me vanterai dans leur gloire et tous verront et reconnaîtront que je suis la postérité que Dieu a bénie. Dieu a parlé à ma vie. Je crois et je vais le manifester. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je suis la tête et non la queue. Je demeure au sommet et non dans la vallée. Je ne vais plus expérimenter
le phénomène de queue, le phénomène de la vallée parce que Dieu me relève. Je déclare, même quand je tombe, je me relève. Je ne vais plus échouer au seuil des miracles désirés. Je dis, je ne vais plus échouer au seuil des miracles désirés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a mis sa parole dans ma bouche comme une arme de destruction et de restauration. J'utilise ce pouvoir pour prononcer, déclarer la destruction des agents du diable assignés pour défier et empêcher mes bénédictions de me parvenir. J'utilise la même arme pour décréter la restauration sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens cette nuit et je déclare, j'oublie les choses passées. Parce qu'au cours de cette saison, Dieu va faire une nouvelle chose dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je demande maintenant que les bonnes choses commencent à apparaître dans mes affaires, dans mes finances, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Commence à demander aux bonnes choses de commencer à apparaître dans les vies de tes enfants. Tu veux voir les bonnes choses apparaître où? Dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. Alors déclare cela, je demande en cette nuit que les bonnes choses commencent à apparaître dans mon mariage, que les bonnes choses commencent à apparaître dans mes affaires, dans le ministère, que les bonnes choses commencent à apparaître dans mes finances, que les bonnes choses commencent à apparaître dans cette maison, à mon conjoint, à mes enfants, que les bonnes choses apparaissent dans ma vie spirituelle, que les bonnes choses apparaissent dans ma vie spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel fera briller sa face sur moi, toujours et toujours, il me fera grâce. Dis avec moi dans le nom de Jésus, toute incantation, tout rituel, tout pouvoir de sorcellerie contre mon destin, tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus-Christ. Je dis toute incantation, tout rituel, tout pouvoir de sorcellerie contre mon destin dans cet environnement. Au nom de Jésus-Christ, je dis tombe et meurt par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, je réduis au néant l'influence des engloutisseurs de destin. Je dis, je réduis au néant l'influence des engloutisseurs de destin dans ma vie, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la méchanceté domestique. Toi qui te donnes la peine pour détruire mon destin, meurs. Méchanceté domestique qui se donne la peine de détruire mon destin, le destin de mon conjoint, de mes enfants. Je dis tombe et meurt par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis je détruis tout enregistrement de mon destin dans le royaume de la mer. Enregistrement de mon destin dans le royaume de la mer soit décrit au nom de Jésus-Christ. Autel du mal est érigé contre mon destin dans les lieux célestes, dans le royaume marin, dans un lieu terrestre, soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Je dis tout autel du mal érigé contre mon destin, le destin de mon conjoint, le destin de mes enfants dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres, dans les lieux marins. Je dis, soit démantelé et détruit. Soit démantelé et détruit. Soit démantelé et détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, chaudière maléfique.
Toi qui fais cuire mon destin. Éclate, éclate, éclate par le feu. Toute chaudière maléfique qui fait cuire mon destin, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu. Je dis chaudière maléfique qui fait cuire le destin de mon conjoint, de mes enfants. Toi qui fais cuire ma santé dans une chaudière maléfique. Toi qui fais cuire mon mariage dans une chaudière maléfique. Toi qui fais cuire la santé de mon conjoint, de mes enfants. Bien-aimé, prie, prie, prie dans une chaudière maléfique. Que ça éclate, que ça éclate, que ça éclate. Toi qui fais cuire mes affaires dans une chaudière maléfique. Que ça éclate par le feu, que ça éclate par le feu, que ça éclate par le feu, que ça éclate par le feu. Que cette chaudière éclate, qu'elle éclate en cette minuit. Qu'elle éclate, qu'elle éclate, qu'elle éclate. Qu'elle éclate, qu'elle éclate, qu'elle éclate, qu'elle éclate au nom de Jésus-Christ. Je dis, je décris en ces minuits toute chaudière de sorcellerie où on prononce le mal sur mon destin au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Je dis toute chaudière de sorcellerie où on prononce le mal sur mon destin, sur le destin de mon conjoint. Je dis, cette chaudière est décrite. Elle est décrite, elle est décrite, elle est décrite, elle est décrite. Je dis toute chaudière de sorcellerie au nom puissant de Jésus. Où on fait des incantations sur mon destin, le destin de mon conjoint, le destin de mes enfants. Je dis cette chaudière-là, elle est décrite. La chaudière de sorcellerie, 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 elle est décrite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis la chaudière de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, où on travaille au jour d'aujourd'hui pour détruire mon destin, le destin de mon conjoint, le destin de mes affaires. Éclate, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis engloutisseur de destin, vomissez mon destin. Comme le poisson a reçu l'ordre de vomir Jonas, vomissez mon destin. Comme dans Job, le serpent a été mandaté de vomir les richesses. Je dis engloutisseur de destin, au nom puissant de Jésus-Christ, vomissez mon destin. Allez, commande en cette nuit qu'ils vomissent ton mariage, qu'ils vomissent tes affaires, qu'ils vomissent tes relations. Engloutisseur de destin, je dis vomissez mon destin. Vomissez, vomissez mon travail, vomissez ma santé, vomissez mon accouchement, vomissez, engloutisseur de destin, vomissez mon destin par le feu. Je dis vomissez, comme le poisson a vomi Jonas, je dis au nom de Jésus, vomissez les mariages de mes enfants. Vomissez, 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 vomissez mes affaires, engloutisseur de destin. Je dis engloutisseur de destin, je dis vomissez mes affaires, vomissez mon destin. Vomissez mon appel, engloutisseur de destin. Comme le poisson a reçu l'ordre de vomir Jonas, le serpent a reçu l'ordre de vomir les richesses qu'il avait emballées. Je dis, toi, l'engloutisseur de destin, je dis, vomis mon destin, vomis ma grandeur, vomis ma santé, vomis mon mariage, vomis ma tête, vomis, 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 partout où tu te trouves. Et que tu avais englouti mon mariage, tu avais englouti mon travail, je dis, au nom de Jésus qui Nazareth, au nom de Jésus qui Nazareth, je dis, vomis cela, je dis, vomis cela. Je dis vomis cela. Oui, mon frère, ma soeur, prie. Quiconque a avalé quelque chose qui t'appartienne, quiconque a avalé ce qui appartient à ton conjoint, à tes enfants, que cet engloutisseur de destin, au nom de Jésus, commence maintenant à vomir. Qu'il vomisse, au nom de Jésus-Christ. Qu'il vomisse, que ce totem vomisse, au nom de Jésus. Que cette personne, agent satanique, vomisse, que cet homme fort vomisse, qu'il soit ton parent, qu'il soit un oncle, qu'il soit un homonyme, qu'il soit quelqu'un que tu as connu, quiconque a englouti ton destin, quiconque a englouti ton destin, quiconque t'a même englouti, qu'il vomisse, qu'il vomisse, qui t'a avalé, qui a avalé ton mariage, qui a avalé ta santé, qu'il vomisse, qu'il vomisse. Je dis quelqu'un vomit cette nuit, je dis quelqu'un vomit cette nuit, je dis la vie de quelqu'un vomit, le mariage de quelqu'un vomit cette nuit, comme Jonas a vomi le poisson. Comme le poisson a vomi Jonas, comme le poisson a vomi Jonas, celui qui t'avait avalé, tu n'existais pas, on ne te voyait pas. Je dis, il te vomit, le serpent qui t'avait avalé. Quand on te voit, on voit un gros serpent, tu es à l'intérieur. Je dis au nom de Jésus, ce serpent te vomit, ce serpent te vomit, ce serpent te vomit, ce dragon de famille te vomit par le feu, qui t'a englouti dans son ventre, qui t'a englouti dans son ventre, tu es dans le ventre de qui? Je dis au nom de Jésus Christ, mes amis, la personne là t'accouche.
La personne là t'accouche maintenant. Je dis, elle t'accouche. Tu sors des entrailles de la pauvreté. Tu sors des entrailles de ta mère. Tu sors des entrailles de la sorcellerie. Je dis, tu sors de l'arbre. Tu sors. Quel est le village qui t'a englouti? Au nom de Jésus, je dis, tu sors des entrailles de ce village. Tu sors. C'est la mère qui t'a englouti. Tu sors des entrailles de la mère. Par le feu. Je dis, engloutisseur de destin, vomis ma destinée. Vomis la destinée de mon conjoint. C'est une tombe dans laquelle tu as été enfermé, mon frère, ma soeur. La tombe la souffre et tu sors. Je dis, la tombe la souffre et tu sors. Je dis, la tombe la souffre. Ton mariage sort. Tes affaires sortent. Tes relations sortent. Ton travail sort. Tes entrailles sortent. Je dis, tout engloutisseur de destinée te vomis par le feu. Te vomis. Reba caché, creque, chakra, caché, creque, qui engloutit ton argent, qui engloutit tes diplômes. Je dis, au nom de Jésus, l'engloutisseur de destinée vomit. Tout endroit depuis laquelle ta destinée était engloutie, ta destinée était enterrée. Je dis, la terre s'ouvre comme dans Matthieu 28, lorsque Jésus est mort et que le sang a touché le sol. Ce qui se passe, c'est que la terre s'est ouverte et les saints sortaient de la terre. Au nom de Jésus, et ils se baladaient partout, on les voyait par le précieux sang de Jésus. Toute terre qui a longtemps retenu ton étoile, longtemps retenu ton destin, partout on a enterré ce qui t'appartient, enterré ton habit, enterré ta gloire, enterré tes études, enterré ta vie. La terre s'ouvre par le sang de Jésus. La terre s'ouvre par le sang de Jésus et rejette ce qui est à toi et vomit ce qui est à toi et vomit ce qui est à toi. La terre de cette nation s'ouvre et vomit ce qui est à moi et vomit ce qui est à toi. La terre de ton village s'ouvre et vomit ce qui est à toi. Qui t'a englouti, qui t'a enterré, qui t'a avalé, il te vomit. Que les parents qui ont avalé leur employé vomissent. Que les parents qui ont avalé leurs enfants vomissent maintenant. Vomissent maintenant. Que les totems qui ont avalé les destinées dans les familles vomissent. Que l'homme fort qui vivait des vies de tout le monde dans la famille maintenant là, au nom de Jésus, vomissent. Reba caché, creque, engloutisseur de destinée, engloutisseur de destin. J'ai dit vomis mon destin. Je dis, engloutisseur de destin, vomis mon destin. Vomis mes accouchements, vomis mes enfants, vomis mon mariage, vomis mes finances, mon travail. J'ai dit, engloutisseur de destin, vomis. Par le feu. Oui, mon frère, ma soeur, toute maison dans laquelle ton destin a été englouti, toute maison que tu as habité, partout on a englouti ton destin. J'ai dit, l'angoisse la vomi maintenant. Le feu dans le royaume de l'eau, ceux qui sont attachés dans l'eau, ceux qui sont attachés dans les forêts, ceux qui sont attachés dans les arbres, dans les airs, dans la lune, dans le soleil, ceux qui sont attachés dans le sexe, dans les bas ventres des gens. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est délié. Ceux qui sont attachés dans les maisons parentales, dans des hôtels sataniques, je dis, au nom de Jésus, quoi que ce soit, qui que ce soit qui avait englouti ton destin, cette nuit, par le feu, il vomit. Reba caché, creque, chakra, cachatra, caché, creque, chèque, elle sent une tente, un homonyme. Il vomit, engloutisseur de mon destin, vomit mon destin, vomit. Reba caché, creque, chèque, ordonne qu'il vomisse, engloutisseur de destin. Je dis vomis mon destin. Reba caché, creque, je dis, en cette nuit, partout où tu te trouves, au nom de Jésus, dans une tombe, dans une loge, partout où tu te trouves, dans la maison paternelle, maternelle, dans ma belle famille, dans l'air, dans l'eau, dans le ventre de qui que ce soit, je dis, vomis mon destin par le feu. Engloutisseur de destin, vomis mon destin, vomis le par
le feu, vomis le par le feu. Rebakaché, crékeché, vomis le destin de mon mari, vomis le destin de mes enfants. J'ai dit vomis, que le féticheur la vomisse, que le féticheur la vomisse, que ce voleur vomisse. Par le feu. Rebakaché, crékeché, crékeché, crékeché. Rebarabacha, crabakaché, crékeché, crékeché. Rirabarabaché, crékeché. Que le pouvoir maléfique de la maison de ton père vomisse les destins. Que le pouvoir maléfique de la maison de ta mère vomisse les destins. J'ai dit engloutisseur de destin. Vomis mon destin. Vomis-le. Vomis. Ordonne qu'il vomisse mon frère, ma soeur. Ordonne qu'il vomisse ton appel. Ordonne qu'il vomisse ton travail, ton mariage. Ordonne qu'il vomisse ton destin. Ordonne qu'il vomisse ta tête, tes relations. Ordonne qu'il vomisse tes voyages, ta gloire. Ordonne qu'il vomisse engloutisseur de destin. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a élevé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a élevé? Qui le vomisse tout ce qui est à moi, partout tu étais retenu. J'ai dit, cela est vomi cette nuit. Cela est vomi, engloutisseur de destin. Vomi mon destin, vomi mon mariage, vomi mes enfants, vomi ma tête, mes yeux, vomi mes affaires, vomi, engloutisseur de destin. Tout ce que tu m'as volé, que tu as volé à mon mari, à mes enfants, j'ai dit vomi. Que l'engloutisseur de ton destin vomisse. J'ai dit qu'il vomisse. Qui t'a englouti dans son ventre? Qui t'a englouti dans son sexe? Qui t'a englouti dans sa maison? J'ai dit au nom de Jésus, en cette nuit tu sors. J'ai dit tu sors. J'ai dit quelqu'un sort. Le destin de quelqu'un sort. Les affaires, le travail, la santé, le mariage de quelqu'un sort de partout où il était englouti. De partout il était lié, de partout il était condamné, attaché. La santé de quelqu'un sort, de partout on l'avait enterré. Au nom de Jésus, partout on a englouti ton destin, dans un arbre, dans une plante. Au nom de Jésus, cette nuit tu sors, tu es détaché de l'arbre, tu es détaché de la plante satanique, tu es détaché du royaume de l'eau, des sirènes, des serpents. J'ai dit engloutisseur de destin, vomis mon destin, vomis, que ce serpent vomisse, que ce serpent vomisse, que ce serpent vomisse, que ce totem vomisse, que ce totem vomisse, que ce totem vomisse, qu'il vomisse par le feu, qu'il vomisse par le feu. Récarabaché, crékeché. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je récupère mon véhicule de destin volé au nom de Jésus. Toute conférence des ténèbres contre mon destin, disperse-toi au nom de Jésus. Je dis conférence des ténèbres contre ma grandeur, contre mon destin, contre mon mariage, contre mes enfants. Dispersez-vous. Je dis conférence des ténèbres contre ma présence en ce lieu. Je dis conférence des ténèbres contre mon destin. Dispersez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, où est mon destin de nouveau? Déclare, Seigneur, où est mon destin de nouveau? Où est le destin de mon conjoint, de mes enfants de nouveau? Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète, l'échec n'égorgera plus mon destin au nom de Jésus. Je dis, l'échec n'égorgera plus mon destin au nom de Jésus. Je dis, tout pouvoir menant la guerre contre ma gloire tombe et meurt. Je dis tout pouvoir menant la guerre contre mon élévation, contre mon destin, tombe et meurt par le feu. Tombe et meurt par le feu. Toi qui, au jour d'aujourd'hui, tu mènes la guerre contre mon travail, pour dire que jamais de bonheur, jamais de travail, jamais de mariage, jamais d'enfant, jamais heureux. Je dis au nom de Jésus, toi le pouvoir qui mène la guerre contre mon destin, tombe et meurt par le feu. Je dis, toi le pouvoir qui mène la guerre contre le destin de mes enfants, mon frère, ma soeur, prie. Toi le pouvoir qui mène la guerre contre mon destin, contre le destin de mes enfants dans cette école, contre le destin de mes enfants dans ce bureau, contre le destin de mon conjoint, de ma vie. Au nom de Jésus, je dis tombe et meurs. Je dis tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. Tout pouvoir qui mène la guerre contre mon mariage, est-ce que quelqu'un prie? Tout pouvoir qui mène la guerre contre mon élévation, tout pouvoir qui mène la guerre pour dire que jamais tu ne travailleras, jamais tu n'avanceras, jamais
tu ne vivras longtemps. J'ai dit, tombe et meurs par le feu. J'ai dit, en cette nuit, tu tombes et meurs par le feu. J'ai dit, tu tombes et meurs par le feu. J'ai dit, tu tombes et meurs par le feu. Tout pouvoir qui mène la guerre contre mon destin, tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Voleur de destin, relâchez-moi maintenant. Relâchez ma grandeur, relâchez mes affaires. Voleur de destin, relâchez mes yeux, ma tête, mon mariage. Relâchez mon travail. Voleur de destin, relâchez mon étoile. Relâchez. Allez, déclare, voleur de destin, relâchez ma vie. Relâchez mes opportunités. Relâchez. Au nom puissant de Jésus qui dit avec moi en cette nuit, je renverse tout nouvel arrangement satanique programmé contre mon destin. Je dis en cette année 2024, je dis tout nouvel arrangement satanique programmé contre mon destin, je le renverse. Je le renverse. Je dis mon destin doit changer au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui désoriente mes pas, qui désoriente mon destin, tombe et meurt. Je dis tombe et meurs au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir qui désoriente mon destin, tombe et meurs au nom de Jésus. Je dis je refuse de rater mon destin. Je refuse de rater ma grandeur. Mon destin, je refuse de te rater. Au nom de Jésus-Christ, je dis je refuse d'accepter une substitution satanique contre mon destin. Je refuse d'accepter une substitution satanique contre mon destin. Je dis je refuse d'accepter une substitution satanique contre mon destin. Bien-aimé, tu te rappelles l'autre jour dans le livre des Rois. Amen, amen. Ces deux femmes qui étaient des amies, mais étaient des prostituées et qui ont eu à accoucher, à avoir des enfants. Et une a dormi sur son bébé est mort. Elle s'est levée dans la nuit et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allé changer son enfant avec l'enfant de son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le matin, celle-ci se réveille, sa voisine se lève, elle se rend compte que le bébé qui est dans ses mains n'est pas son bébé. Et elle a vu que son bébé était déjà, avait été échangé pendant qu'elle dormait. Elle s'est rendue compte que son ami, sa colocataire, avait changé son enfant. Elle a dit, je refuse l'échange de destin. Je refuse le bébé mort. Je refuse de prendre la mort, le bébé mort que tu me donnes. Je refuse. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Tu pourras lire cette histoire. Elle a refusé le bébé mort. Elle a refusé le bébé mort. Elle a refusé l'échange de destin. Elle a refusé la substitution satanique contre son destin. Elle pouvait accepter et dire ce qui arrivait, arrivait. Mais là, regardez, elle dit, ça, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas mon enfant. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, ce n'est pas ma rémunération qui m'est due. Ça, ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Ça, ce n'est pas mes entrailles là-bas. Ce n'est pas mon mariage là-bas. Non, 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 je refuse la substitution satanique contre mon destin. Je dis, je refuse le bébé mort. Je refuse la substitution satanique contre mon destin au nom de Jésus. Je dis, je me j'ai dit, je refuse d'avoir des diplômes et chômés, je refuse d'être limité, je refuse la substitution satanique, je refuse d'être folle, je refuse d'être fou. Christ a subi ces choses pour que je ne subisse plus cela. J'ai dit, je refuse d'être malade, je refuse d'être pauvre, parce que Christ a connu la pauvreté pour que je sois enrichi de sa richesse. J'ai dit, je refuse la substitution satanique, je refuse cela, je refuse cela. J'ai dit, je refuse la substitution satanique à chacun sa vie. J'ai dit, je récupère ce qui est à moi. Toi qui vivais ma vie, toi qui accouchais avec mon ventre, toi qui te mariais de mon mariage, toi qui vivais de ma vie, j'ai dit, je refuse la substitution satanique. J'ai dit, je la refuse. J'ai dit, je la refuse. Toute la maison que j'ai habitée, tout endroit où je suis partie, on m'a dépouillé, on a volé, on a substitué. J'ai dit, je me tiens ce soir par le sang de Jésus. Et j'ai dit, je refuse. J'ai dit, je refuse cette vie que vous m'avez donnée. J'ai dit, je la refuse. Je refuse la honte, l'humiliation que Christ a subie et de continuer à subir cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je commande à ma vie. Je commande à ma vie. Je commande à ma grandeur. Où que tu te sois, où tu sois, dans les quatre coins du monde, au nom de Jésus-Christ, comme le vent de l'esprit souffle, souffle et reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toutes choses programmées contre mon destin dans les lieux célestes, tombe et meurt. Tombe et meurt. Je dis toutes choses programmées contre mon destin dans les lieux célestes, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis hôtel satanique,
Forgé contre mon destin, écroule-toi. Au texte satanique, forgé contre mon destin, le destin de mon conjoint, de mes enfants, écroule-toi par le feu. Tout le texte satanique qui a été forgé contre mon destin, au nom de Jésus, depuis ma naissance, avant ma naissance, en cette année 2024, que ce texte satanique s'effronque, qui s'effronque par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. J'ai dit, au texte satanique, forgé contre mon destin, écroule-toi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, récupère mon destin dans que les mains des hommes. Seigneur, récupère mon destin dans que les mains des voleurs. Seigneur, restaure mon destin. Seigneur, restaure ma grandeur. Seigneur, je t'en supplie. Papa, restaure. Papa, ramène. Papa, je t'en supplie. Prends mon destin dans que les mains des hommes. Prends mon destin dans que les mains des voleurs. Au nom puissant de Jésus, je dis, je révoque toute appartenance de mon destin à Satan. J'appartiens à Jésus. Satan, tu ne me mettras pas à l'aise dans mon destin. Au nom de Jésus-Christ, tu ne te mettras pas à l'aise avec mon destin. Tu ne te mettras pas à l'aise avec mon destin. Au nom puissant de Jésus, je dis, mon destin ne souffrira plus d'affliction. Le destin de mon conjoint, de mes enfants, ne souffrira plus d'affliction. Au nom puissant de Jésus, association des videurs de mon destin, disperse-toi, disperse-toi. Je dis, association des videurs de mon destin, disperse-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, par le sang de Jésus, j'élève l'autel de la prospérité continuelle sur mon destin. J'élève l'autel de la prospérité continuelle sur mon destin, le destin de mon conjoint, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je dis, échec, vous, ancre d'échec qui tenez mon destin, brisez-vous. Brisez-vous, brisez-vous, ancre d'échec qui tenez mon destin, brisez-vous au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis, en cette nuit, j'établis le jugement contre tout autel maléfique érigé contre mon destin, le destin de mon conjoint, de mes enfants. Je dis, j'établis le jugement contre tout autel maléfique dans ce quartier, dans cet environnement, dans ce bureau. Je dis, j'établis le jugement contre tout autel maléfique dans mon lieu de naissance érigé contre mon destin au nom de Jésus-Christ. Mon destin divin apparaît. Mon destin divin apparaît, apparaît en cette année, apparaît maintenant, et mon destin perverti disparaît. Mon destin divin apparaît. Mon destin perverti disparaît. Mon destin divin apparaît. Mon destin perverti disparaît. Le destin divin de mes enfants apparaît. Le destin divin de mon conjoint apparaît. Le destin perverti disparaît au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, je décrète dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tout nouvel arrangement satanique de ton destin, au nom de Jésus-Christ, soit annulé, soit annulé. Je décrète que les pouvoirs maléfiques qui sont au courant de ton destin et qui travaillent pour te dépouiller encore, qui travaillent pour tout détruire et bloquer, que ces pouvoirs deviennent efficaces au nom de Jésus, que ces pouvoirs-là soient paralysés au nom de Jésus. Je dis, dans ta vie, mon frère, ma soeur, je paralyse les pollueurs de destin. Je paralyse les pollueurs de destin. Je paralyse les pollueurs de destin au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'inonde, que le Dieu qui restaure, que le Dieu qui change les destins te restaure au nom de Jésus. En ces temps, nous crions à lui, que le Dieu qui a restauré dans 1 Roi chapitre 4, le bébé à cette dame dont on avait échangé le bébé en lui donnant un bébé mort, que le Dieu de jugement, que le Dieu de jugement, que le Dieu de vengeance se lève dans ma vie, dans ta vie au nom de Jésus-Christ et te restaure ta vie, te restaure ton destin, te restaure ton mariage, tes ancrailles, ton travail au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la mort dans tes mains, la mort dans tes ancrailles, la mort et les divorces, les mauvais mariages, les mariages, tout ce que l'ennemi a changé et t'a donné qui n'est pas de Dieu, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé. Que ce chômage, cette humiliation soit banni, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que le destin qu'on a dit que tu dois aller rester au village, garder la chefferie, garder l'héritage maléfique, qu'on a dit que tu dois être successeur, que toi tu dois être gardien des alliances sataniques, que ce destin satanique-là soit annulé, soit annulé, soit annulé. Dieu a fait de toi roi et sacrificateur. Que ce soit le destin de Dieu qui soit accompli dans ta vie, qui t'a donné sa maladie et a pris ta santé. Oh Père, dans le nom de Jésus, que les échanges s'opèrent, que les restaurations s'opèrent, que chacun reprenne ses malheurs au nom de Jésus-Christ et que ta vie te soit restaurée, que ton étoile te soit restaurée, que tes entailles, ton mariage, ta santé te soient restaurées. Oh mon frère, ma soeur, qui vivait avec ton dos,
qu'il reprenne son mal de dos et que toi tu sois guéri. Qu'il marche avec tes pieds, qu'il reprenne ses malheurs et que toi tu reprennes tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, Reba Karabaché, qu'il mange avec tes dents, qu'il reçoive ses dents, qu'il reprenne ses dents, qu'il reprenne ses dents, qu'il reprenne ses dents. Et toi tu sois guéri, tu sois guéri dans la bouche. Au nom puissant de Jésus, 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 qui a échangé ta destinée pour s'enrichir, qui a pris sa destinée morte, qui a pris ses malheurs et t'a donné ses malheurs et a pris ta grâce et a pris ta faveur. Père, Dieu de vengeance, Dieu de jugement, lève-toi, que les destinées volées, détournées soient restaurées par le feu, 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 dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te magnifions et te célébrons. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous sécurisons tout ce qui est restauré dans le sang de Jésus. Nous sécurisons tout ce qui est restauré dans le sang de Jésus. Tout ce qui continue à résister. Que les échangeurs, les voleurs, au nom de Jésus, récupèrent leur malheur, leur maladie, récupèrent leur misère, leur pauvreté. Récupèrent, récupèrent, récupèrent. Et que la gloire de tes enfants soit restaurée et rétablie dans le précieux nom de Jésus. Père, nous te magnifions. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Partagez, partagez, partagez. Nous nous retrouvons encore demain par la grâce de Dieu, non seulement dans le fin de ce jour, mais également à 17h pour continuer et minuit encore. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.